Let's go to Matthew 23. Verse 27. C'est bon? C'est bon? Alors, le verset 27 de Matthieu 23. Matthieu 23. 23-27. 27. Sorry. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et d'ordures. So this is a passage we read yesterday. C'est un passage que nous avons lu la veille. And we saw et nous avons vu that this was a description que c'était la description of Laodicea. De Laodicée. So we just read verse 27. Yesterday we read 26 as well. Hier, nous avons vu le verset 26, mais aujourd'hui, nous avons lu que le verset 27. So this was 26. Donc là, en haut, c'est le verset 26. There's a cup. Là, il y a une coupe. It's only washed on the outside. Qui est lavée uniquement de l'extérieur. And we know that that is foolishness. Et nous savons que ça, c'est de l'idiotie. Because it's full of uncleanness on the inside. Parce qu'à l'intérieur, elle est remplie d'impureté. No one would cook that way, would they? Et personne ne cuisinerait de cette façon, n'est-ce pas? No one would cook in a pan that's dirty on the inside and clean on the outside. Personne ne cuisine dans une casserole qui est sale à l'intérieur et propre à l'extérieur. Remember, the Jews don't bury their people. Et rappelez-vous que les Juifs n'ensevelissaient pas leurs personnes. They have these tombs or sepulchres. Ils avaient donc ces tombeaux ou ces sépulcres. And they're painted white. Et ces tombeaux ou sépulcres étaient peints en blanc. To look beautiful. Afin de paraître beau. But they're full of dead men's bones. Mais à l'intérieur, c'était rempli d'ossements morts, des os d'hommes morts. So we saw. Donc nous avons vu that these bones que ces os are a symbol of what? Sont un symbole de quoi? Hypocrisie. Hypocrite. And iniquity. Et de l'iniquité. And so we looked at this hypocrisy. Et nous avons regardé à cette hypocrisie. And we saw. Et nous avons vu that it was directly related que cela était en lien direct to Laodiceans. À Laodicée. Because in Revelation 3, parce que dans Apocalypse 3, it says cold, lukewarm or hot. Il nous est dit froid, tiède ou bouillant. They asked you what condition. Et je vous ai demandé dans quelles conditions Laodiceans are in. Quelle est la condition de Laodicéens? And everyone said they're lukewarm. Et tout le monde a dit qu'ils étaient tièdes. But that can't be correct, can it? Mais cela ne peut être correct, n'est-ce pas? Because there's no condition in between. Parce qu'il n'y a aucune condition intermédiaire. If you touch a dead person, parce que si vous touchez à une personne morte, they're cold. Elle est morte, elle est froide. If you touch a live person, et si vous touchez une personne en vie, they're warm. Elle est chaude. And what brings that warm? Et qu'est-ce qui amène cette chaleur? If you touch someone and they feel warm. Si vous touchez quelqu'un et qu'elle est chaude, the life. The life. C'est la vie. And where is the life? Et où se trouve la vie? In the blood. In the blood. Dans le sang. So it's circulation of the blood. Donc c'est la circulation sanguine that keeps us warm. Qui nous maintient cette chaleur. You know that. Vous le savez. Well, you probably don't hear in Tahiti. Peut-être que vous l'entendez pas ici à Tahiti parce qu'il ne fait jamais froid ici. But if you had cold feet, mais si vous avez des pieds froids, and you exercised, et que vous faites de l'exercice, you get warm. Donc ça va être chaud. Because the circulation would work. Parce que la circulation va fonctionner. So it's the circulation that keeps us warm. Donc c'est la circulation qui nous maintient en chaleur. Connected to life, connected to blood. En relation avec le sang, la vie. Yeah. Oui. So you're either dead and cold. Donc vous avez un mort froid ou chaud. Or you have life and you're hot. Vous êtes mort ou vous êtes froid, vous êtes en vie ou vous êtes chaud. There's nothing in between life and death, is there? Il n'y a rien entre la mort et la vie, n'est-ce pas? Of course there isn't. Bien sûr que non. Now the reason why Adventists think that there is, la raison pour laquelle les Adventistes pensent qu'il y a un intermédiaire entre le chaud et le froid, is because we've got a wrong idea of sanctification. Parce que nous avons une mauvaise idée de ce qu'est la sanctification.
Everybody's heard of the word sanctification. Et tout le monde a entendu parler de la sanctification. Now, if you're an evolutionist, maintenant, si vous êtes un évolutionniste, you'd say, vous allez dire that you start off from one animal, que vous avez commencé par un animal, a monkey, vous avez commencé, donc la vie a commencé par un singe, and then through many steps, et après plusieurs étapes, you become a human. Vous êtes devenu un humain. Yeah. Oui. So, this is evolution. Là, c'est l'évolution. Adventists. L'adventisme. Who believe in this lukewarm concept? Qui croient en ce concept de tiédeur? Where are they? Où se trouvent-ils? They're somewhere in here. Ils se trouvent quelque part là. In between. Entre les deux. This in-between idea. Donc cette idée intermédiaire. Is accepted. Est acceptée. Believed. Est crue. Because we have an evolutionary concept. Parce que nous avons un concept d'évolution. We start as sinners. Nous avons commencé en tant que pécheurs. And we end up being saints. Et nous finissons par être des saints. And how do you get from a sinner to a saint? Et comment vous passez de l'état de pécheur à l'état d'un saint? You go up. Vous montez. And down. Descendez. And up. Et montez. And down. Et descendez ainsi de suite. And then one day. Et un jour. We're going to get to be saints. Nous allons atteindre cette sainteté. Remember we spoke about this from 2 Peter. Et rappelez-vous, nous en avons parlé en lisant 2 Pierre 1. I asked the question. Et je vous ai posé la question. When do you partake of the divine nature? Quand est-ce que nous sommes participants de la nature divine? And most people say. Et la majorité des personnes disent. In the future. Dans le futur. Not in the present. Non pas dans le présent. Because here's the present. Parce que là c'est le présent. Yeah. Oui, we were sinners. Parce que nous étions pécheurs. Now we're Christians. Et là, nous sommes chrétiens. And because we believe in this evolutionary idea, et parce que nous croyons en cette idée évolutionniste, we think we're here somewhere. We'll be a saint one day. Nous pensons que nous sommes là quelque part et qu'un jour nous serons des saints. And this is this lukewarmness. Et là, c'est cet état de tiédeur. Which does not exist. Qui n'existe pas. We saw that clearly. Nous l'avons vu de façon très claire. That's why God says. C'est la raison pour laquelle Dieu dit. It's better that you were here or here. Il est préférable d'être là ou de l'autre côté. Because there's nowhere in between. Parce qu'il n'y a rien au milieu. When you're in between. Lorsque vous êtes au milieu. What condition are you really in? Dans quelle condition êtes-vous vraiment? The condition of God's people in the time of Christ. La condition du peuple de Dieu à l'époque de Christ. Says woe unto you. Hypocrites. Parce qu'il nous est dit, malheur à vous, hypocrites. So it's this hypocrisy. Donc c'est cette hypocrisie. So I want us to see that. J'aimerais que vous voyez cela. And we saw it was symbolized by these bones. Et nous avons vu que cette hypocrisie est symbolisée par ces ossements. Let's go to Revelation 19. Allons dans Apocalypse 19. We know that we're the church. Nous savons que nous sommes l'église. And hopefully we recognize. Et nous reconnaissons. That we're in trouble. Que nous sommes en problème. And are we ready? Est-ce que nous sommes prêts? If I just said, are we ready for the Sunday law or the second advent? Si je pose la question, est-ce que nous sommes prêts pour la loi du dimanche ou le second avènement? Who would say yes, I'm ready? Qui répondrait oui, je suis prêt? Now, when we talk about this readiness, quand nous parlons de cette préparation, de le fait d'être prêt, we have to be sensible about this. Il nous faut être sensible à ce sujet. Because people say you need to be ready every day. Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il nous faut être prêt tous les jours. And what they often mean by that, et ce qu'ils veulent dire par cela souvent, is all you need to do is be good. C'est tout ce qu'il vous faut faire, c'est être bon. If you're good, si vous êtes bon, every day, tous les jours, then you'll be okay. Donc vous serez bien, tout ira bien. But most people, when you ask them personally, mais la majorité des personnes, lorsqu'on leur pose la question personnellement, they acknowledge that they're not okay. Elles reconnaissent ces personnes qu'elles ne sont pas bien. And they're not ready. Et qu'elles ne sont pas prêtes. Revelation 19. Apocalypse 19. Verse 7. Le verset 7. Apocalypse 19, le verset 7. Soyons heureux et réjouissons-nous et rendons-lui honneur. Car le mariage de l'agneau est venu et son épouse s'est préparée. So wherever you're going to place this verse, alors où placerions-nous ce verset? We know that the wife, nous disons que la femme has made herself ready.
C'est préparé. So it says glory, sorry, let us be glad and rejoice and give honor to him. Il nous est dit, donc soyons heureux, réjouissons-nous et rendons lui honneur. Who's the him? C'est qui le lui? Jesus, God. It's the lamb. C'est l'agneau. So we have to let the verse teach us. Il faut que on laisse le verset nous enseigner. The him is the lamb. Que le lui c'est l'agneau. And you go to another verse to show you who the lamb was. Et après vous faut aller dans un autre verset pour voir qui est l'agneau. We have a habit of jumping. Parce que nous avons une habitude de sauter des étapes. If you do that, you end up making mistakes. Parce que si vous faites cela, vous pourrez finir à commettre des erreurs. So we know that the him is the lamb. Donc nous savons que le lui, c'est l'agneau. And it's the lamb that's getting married. Et c'est l'agneau qui est en train de qui va se marier. And his wife. Et sa femme. We will skip some steps and we'll say it's the church. Donc nous allons passer des étapes et nous allons dire que c'est son église. But she's ready. Mais elle est prête. That's what the point I want. Parce que c'est see. Le point qu'il faut que nous voyons. So we have to get to a place where we're ready. Donc il nous faut atteindre l'endroit où nous sommes prêts aussi. Verse 8. Le verset 8. Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin net et blanc, car le fin lin est la justice des saints. Now, if I were to ask you who the wife is, si il fallait que je vous demande qui est donc la femme, now who is the wife? Maintenant, qui est la femme? A church? A bride? The righteous? The saints? The saints. Donc, can we see sont that? Les saints. The vous wife is the saints. Justice des saints, vous l'avez? Ok. Oui. So, l'église, c'est les saints. Not the righteousness, it's the saints. The wife is the saints. Donc, la femme, c'est les saints. Wanted to see that. Vous avez vu cela? Now, she's made herself ready. Donc, elle s'est préparée. Ready for what? Mais préparée pour quoi? For the marriage. Pour le mariage. Yeah. It says the marriage of the lamb is come, it's here. Il dit que le mariage de l'agneau est venu, c'est là. And she's ready. Et la femme est prête. How do you know if the bride is ready? Et comment savez-vous si l'épouse est prête? I don't know what your tradition here is. Je ne sais pas quelles sont vos traditions ici. In most places the bride is always late. Mais when she comes to church. Dans les différents pays donc l'épouse elle arrive en retard. But in this si on pense à l'église. Story, she's ready. Mais dans cette histoire-là, elle est prête. What does she need to do to be ready? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour être prête? She have to prepare to get ready. She needs her clothes. Il lui faut donc un vêtement. Yeah. So it's her clothes. C'est un vêtement. Her clothes weren't made. Donc une fois que ce vêtement est fait. She wasn't dressed. Donc elle n'était pas encore habillée. She wouldn't be ready. Et donc, si elle n'aurait pas revêtu ce vêtement, elle n'aurait pas été prête. Donc, je veux que vous voyez que le fait d'être prêt est en lien avec le vêtement. Laodiceans. Laodicée. Do they have clothing? Est-ce qu'ils ont un vêtement? No. They're naked. They're naked. Ils that... sont nus. Okay. What I want us to see, though. Donc, ce que j'aimerais que vous voyez. Adventist. L'adventisme. On the outside. De l'extérieur. Do they look clean? Est-ce qu'ils semblent purs? Yeah. Yes. Because they're white. Parce qu'ils sont blancs. And they wash the cup. Et qu'ils ont lavé la coupe. So they have clothing. Donc ils ont un vêtement. Which is white. Qui est blanc. Which is good. Qui est bien. But whose clothing is that? Mais à qui est ce vêtement? It's one that they manufactured themselves. C'est un vêtement qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Yeah. Oui. Like those fig leaves. Donc les feuilles de figue. And I think in many places. Donc je pense à plusieurs endroits. When the bride is going to get married. Quand l'épouse doit être mariée. Where does she get her garments from, her clothes? D'où wedding dress. Où va-t-elle pour avoir son vêtement de mariage, sa robe de mariage? Who pays for it? Qui paye pour elle? The husband of the family. So different cultures do it differently. Donc les différentes cultures agissent différemment. But she didn't buy it herself. Mais elle ne l'achète pas elle-même. Sometimes it's her father. Parfois c'est le père, les parents. Sometimes her bride has to buy it for her. Des fois donc c'est l'époux qui doit la lui acheter. But I don't know anywhere where the bride has to go to work and buy her own clothes. Mais je ne sais pas où l'épouse doit aller et acheter son propre vêtement.
So we can see. Nous pouvons voir. That these hypocrites. Ces hypocrites. They're putting their own clothes on. Ils se sont revêtus de leurs propres vêtements. Yeah. Oui. Keep your hand here. Donc gardez une main là. Go to temps. Isaiah. Et maintenant allons dans Ésaïe. Chapter 4. Ésaïe 4. Verse 1. Verset 1. Ésaïe 4, le verset 1. Et en ce jour-là, sept femmes saisiront un seul homme, disant, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre infamie. All I want us to see, tout ce que je voudrais que nous voyons là, without explaining what this verse is talking about, sans expliquer ce que dit ces versets, he says there are seven women. Il y a là sept femmes. I'm saying a woman, et je dis qu'une femme is a woman, c'est une femme, and she's going to go to a man, et elle va voir un homme. She's going to take hold of this man. Elle va se saisir de cet homme. What does it mean when a woman takes hold of a man? Qu'est-ce que ça veut dire quand une femme saisit un homme? Seduction. It means, yeah, something interesting is going to happen. Donc il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer. So she's going after the man. Donc elle va après cet homme. And he's getting nervous. Et il devient un peu nerveux. Because it's going to get expensive. Parce que ça va être, il y aura des dépenses. And you all say, don't worry. Et vous dites, ne vous inquiétez pas. It won't cost you any money. Ça ne va rien vous coûter. Because we'll get our own bread. Parce que on va avoir notre propre pain. And we'll do what? Et quoi d'autre? We'll wear our own clothes. On va se vêtir de nos propres vêtements. So don't worry about the money. We'll take care of that. Ne t'inquiète pas de l'argent. On va s'occuper. On va s'en All occuper. We want is what? Tout ce que nous voulons, c'est quoi? Your name. Why? Pourquoi? Honor. For honor. For ownership, because we're ashamed. Parce que nous sommes honteux. So we need your name. Donc on a besoin de ton nom. So we can look good in society. Afin que dans la société nous paraissions bien. But it won't cost you any money. Mais cela ne va rien te coûter. So these good women. Donc est-ce que ce sont des bonnes, des femmes bonnes? Non. No. Breaking all the rules of marriage. Non, elles brisent toutes les règles concernant le mariage. And. Et. They're pursuing the man. Elles poursuivent l'homme. So it's all bad. Donc tout cela est mauvais. So when you got your own clothes. Quand vous avez vos propres vêtements. And you got your own clothes, you're smiling. Okay. Quand vous avez vos propres vêtements, it's not good for a wife to do that. Ce n'est pas une bonne chose pour que la femme. Back to Revelation. Si nous retournons donc dans l'Apocalypse. So these clothes that she's got. Donc ces vêtements qu'elle a. They're a gift. C'est un don. But whose clothes are they? Mais ces vêtements appartiennent à qui? If I bought you a gift. Si je vous donne un don. And I gave it to you. Et que je vous le donne. Whose is it now? À qui appartient-il maintenant? At the person you give. Have you ever been in a relationship? Avez-vous déjà été dans une relation? Where someone gave you something. Où quelqu'un vous donne quelque chose. And over and over again, they say, "Remember when I gave you that thing?" Et après, vous dites, rappelez-vous, je vous ai donné cette chose. You never appreciate what I do for you. Mais tu n'apprécies jamais ce que je fais pour toi. They're always reminding you of this favor that they gave you. Il nous rappelle toujours cet échec. Then you say, take it back, I don't want it. Et après vous répondez, reprenez votre don, j'en veux plus. And they say, no, I gave it to you as a gift, it's yours. Non, on répond, non, elle répond, je vous l'ai donné, c'est comme un don, c'est à vous, ça vous appartient. But they still want possession of it. Mais ils veulent toujours avoir la possession de ce don. Now, we know. Nous savons maintenant that the bridegroom isn't going to wear those clothes, is he? Que l'épouse elle va pas porter ces vêtements, n'est-ce pas? Because they look a bit funny. Parce qu'ils sont un peu bizarres. So what we want to see. Donc ce que nous aimerions voir is when we take spiritual truths. C'est lorsque nous prenons des vérités spirituelles. They're based upon natural or real life stories. Elles sont basées donc sur des histoires naturelles et de la vie réelle. And we have to let the natural guide us to the spiritual. Et il faut laisser le naturel nous guider vers le spirituel. So this garment. Ce vêtement. Who owns the garment? À qui appartient le vêtement? Jesus. Okay, so people say it's Jesus. Les gens disent que c'est Jésus. But Jesus is not going to wear a wedding dress. Mais Jésus ne va pas porter une robe de mariage. He bought that dress for his bride. Il l'a acheté pour son épouse. It's not his dress. Ce n'est pas sa robe. It was a gift that he gave to her. C'est un don qu'il lui a donné. But it's
herds. Mais ça lui appartient. The Bible is explicit on this. Et la Bible est explicite sur cela. It says the garment. Elle dit que le vêtement. Is the righteousness of who? C'est la justice de quoi? De qui? C'est the saints. Didn't say Jesus. Elle dit pas Jésus. Because whose garment is that? C'est à qui ce vêtement? At the saints. The saints is the wife's garment. C'est le vêtement des saints de la femme. She was given that garment. Ce vêtement lui a été donné. But when it's given to her, it's hers. Mais quand cela lui a été donné, ça lui appartient. It's not his. Ce n'est pas à lui. So when we talk about this righteousness, this garment, lorsqu'on parle de cette justice, de ce vêtement, these people manufacture their own ones. Donc ces personnes ont fabriqué leurs propres vêtements. But in the real, in the proper example, mais dans un bon exemple, it's given to you as a gift, but it's yours. Cela vous a été donné en tant que don, mais ça vous appartient. So, the purpose, le but, of the gospel, de l'évangile, salvation, du salut, reform, revival, however you want to describe this, la réforme, le réveil, selon les termes que vous voulez donc le décrire, is to get people like us, c'est de prendre des personnes telles que nous, who are not ready, qui ne sont pas prêtes, and make us ready, et les faire en sorte qu'elles soient prêtes. That's what it means. Et voilà ce que cela signifie. And the promise is what? Et quelle est donc la promesse? That the wife will make herself ready. Que la femme, l'épouse, va se préparer elle-même. And her readiness. Et quand elle sera prête, is marked. Son état, le fait d'être prête est indiqué. By what? Est indiqué par quoi? By her beautiful garments. Par son beau vêtement. I'll ask you a question. Donc j'aimerais vous poser une question. This beautiful garment that this bride's got on. Donc ce beau vêtement que la femme possède. When does she have it? Quand est-ce l'a-t-elle? Past, present or future? Passé, présent ou futur? Passé, présent ou futur? I'm really smiling because I don't know the answer because I'm waiting for the translation. Présent. Good. Présent. So it's in the present. Donc c'est dans le présent. 2 Peter proved that, didn't it? 2 Pierre 1 nous le prouve, n'est-ce pas? We proved it in 2 Peter chapter 1. On le prouve cela dans 2 Pierre 1. We can prove it easily. Nous pouvons le prouver simplement. Matthew 25. Matthieu 25. The virgins go to the house. Les vierges vont dans la maison. And they're all expecting the bride, groom. Et elles espèrent que l'époux, to come at a certain time. Arrive à un certain temps. So if certains moments. If they expected him to come then, donc si elles s'attendent à ce qu'il vienne, they all would have been ready by then. Alors elles seront déjà prêtes. And what does he do? Et qu'est-ce qu'il fait? They slept. He tarries. Il tarde. He delays. Il a un retard. And they sleep. Et elles dorment. And then, et ensuite, at midnight, à minuit, they say he's here. Il est dit qu'il est là. And who isn't ready? Qui n'est pas prêt? C'est foolish. The virgins aren't ready. Les vierges ne sont pas prêtes. The wise and the foolish are not ready. Les deux, les sages et les folles ne sont pas prêtes. Is the bride ready? Mais l'épouse l'épouse est-elle prête? Yeah. Oui. When he comes, she's already there. Parce que quand il vient, il est déjà là. If you check Ellen White's commentary. Si vous vérifiez le commentaire d'Ellen White. She says, by the time they wake up, elle dit au moment où elle se lève, elle se réveille. Oil business, donc par rapport à l'huile, the procession's already left. La procession a déjà est déjà partie. Already on the way to his house. Elles sont tous dans ils sont sur le chemin de la maison. The wise virgins have to run and catch up. Et les vierges sages doivent courir pour rattraper cette procession. So you know, vous savez, that the bride is already ready. L'épouse est prête. Before midnight. Avant minuit. At midnight, the door isn't even shut yet. Et à minuit, là, la porte n'est pas encore fermée. The shut door is at the end of the story. Parce que la porte fermée est à la fin de l'histoire. And she's ready before that, a long time before that. Et elle est prête longtemps avant cela. So I want us to see. Donc ce que j'aimerais que vous voyez. When we did this story here. Lorsque nous avons fait cette histoire là. When is the church ready? Quand est-ce que l'église est-elle prête? Christ's disciples, I mean. Les disciples de Christ, je veux dire. Are they ready here? Sont-ils prêts là? No.
Non. It takes 3 days. Ça a pris 3 jours. 3 years. 3 années. And they're ready here. Et ils sont prêts là. When they're ready. Une fois qu'ils sont prêts. What's happened to this house? Qu'est-ce qui se passe pour cette maison? This house is being divorced. Donc cette maison a été elle a été divorcée. And there's a new house. Et donc il y a une nouvelle maison. New bride. Une nouvelle épouse. New people. Des nouvelles personnes. The shepherds. Nouveaux bergers. Remember Peter? Rappelez-vous Pierre. Because Peter said, "Don't upset the leaders." Rappelez-vous Pierre disait, je suis pas sûr si c'est lui, n'irritez pas les leaders. Matthew 15. Matthieu 15. Jesus said what? Et qu'a répondu Jésus? I don't care. Peu importe. Why did he not care? Pourquoi ne se en préoccupe-t-il pas? Why does Jesus not care about upsetting those men? Pourquoi ça ne préoccupe pas Jésus d'irriter ces hommes? Because 5 chapters before. Parce que 5 chapitres avant. He said to the disciples. Il a dit aux disciples. You are what? Vous êtes quoi? You're the shepherds. C'est vous les bergers. And they don't even realize what he's talking about. Mais ils n'ont même pas réalisé de ce qu'il parlait. Do you realize who you are? Est-ce que vous réalisez qui vous êtes? Because if you don't know who you are, parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, you don't know what your job is, vous ne savez pas quelle est votre fonction, and you're going to be wandering around doing nothing. Et vous allez tourner en rond en faisant rien du tout. You have to understand. Il vous faut comprendre what your role in life is. Quel est votre rôle dans la vie? And we've all had a good start because we're all Adventists. Et nous avons déjà un bon départ parce que nous sommes tous des Adventistes. But we're like those Adventists. Mais nous sommes comme ces Adventistes. Who left the world, Egypt. Qui ont laissé le monde, l'Égypte. And they've been wandering in the wilderness for 40 years. Et pendant 40 années, ont erré dans le désert. Now we need to start getting ready. Donc maintenant, il est temps pour nous de nous préparer. And understanding who we are. Et de comprendre qui nous sommes. In that story of the wilderness, dans cette histoire du désert, how many parents, combien de parents, went into the promised land, sont entrés dans le pays promis? Two. Only two. Deux, seulement deux. Every one of the others died in the wilderness. Tous les autres sont morts dans le désert. So, I would ask you a question: are you the parents, or are you the children? Donc, je voudrais vous poser une question: êtes-vous les parents ou les enfants? Your parents, you're going to die before Jesus comes. Parce que si vous êtes les parents, vous allez mourir avant l'arrivée de Jésus. We don't believe that, do we? Et nous ne croyons pas à cela. Jesus is about to come now. Parce que Jésus est sur le point de venir maintenant. Sunday law is about to happen now. La loi du dimanche est sur le point de se passer maintenant. But we're still alive. Et nous sommes encore en vie. We have the opportunity. Nous avons l'occasion. Of not dying in the wilderness. De ne pas mourir dans le désert. He wants us to walk. Il veut que nous marchions. Into the promised land. Dans le pays promis. Before that happens. Mais avant que cela ne se produise. You have to go through something. Il nous faut traverser quelque chose. The river Jordan. La rivière, le fleuve de Jourdain. Which is what? Qui est quoi? Baptism. Le baptême. We need to be rebaptized. Il nous faut être rebaptisés. In fact. En fait. Even though we're the children of our parents. Même si nous sommes les enfants de nos parents. In the story. Dans l'histoire. Do those children get circumcised? Est-ce que ces enfants ont été circoncis? When they're in the wilderness. Lorsqu'ils étaient dans le désert. They only get circumcised at the very end. Ils ont été circoncis à la fin même. Just before they go into the promised land. Juste avant d'entrer dans le pays promis. So just because you're children of Adventists. Ce n'est pas parce que vous êtes des enfants de l'adventisme. Not literally. Non pas littéralement. It still means we've got a work to do. Cela signifie encore que nous avons une œuvre à faire. We need to be circumcised. Il nous faut être circoncis. We need to go through the river Jordan. Il nous faut aller dans la rivière du Jourdain. Before. Avant. We can go to Jericho and destroy it. Avant d'aller dans Jéricho et le détruire. Only the children do that. Seuls les enfants peuvent faire ça. Not the parents. Non pas les parents. So, when we came to this story, lorsque nous sommes venus dans cette histoire, this house is desolate. Cette maison est désolée. Which is the church. Qui est donc l'église. Can God have a situation where he doesn't have a church on earth? Est-ce que Jésus a une situation où il n'a aucune église sur terre? Can't. Non, il ne peut pas. Has to have a church. Il doit toujours y avoir une église. So if this one's desolate, donc si celle-ci est désolée, by this time he has to have another church ready. Donc arrivé à ce moment-là, il faut qu'il ait déjà une nouvelle église prête. It's these disciples. Et ce sont ses disciples. All I want to show is the disciples are ready. Tout ce que je veux vous montrer, c'est que les disciples sont prêts before the close of probation. Avant la fin du temps de grâce. Let's
all the only point I want us to see here. C'est le seul point que j'aimerais que vous voyiez là. So, we spoke about this bone. Nous avons parlé de ces os. Bones represent hypocrisy and iniquity. Ça représente l'hypocrisie et l'iniquité. So, are these people alive or dead? Est-ce que ces personnes sont en vie ou sont mortes? Dead. Dead. Elles sont mortes. Now remember, this is a parable. Et rappelez-vous, il s'agit d'une parabole. Who is this? It equals a person. Donc là, c'est qui ça? Équivaut à une personne. A person who's literally alive. Une personne qui est en vie littéralement. So we know they're literally alive. Nous savons qu'elle est en vie littéralement. So if it said a dead person. Parce que s'il nous est dit une personne morte. What kind of dead person? Donc c'est quel type de personne morte? Must be a spiritually dead person. Donc ça doit être une personne morte spirituellement. Agree with that? Vous êtes d'accord avec cela? So they're spiritually dead. Donc spirituellement ils sont morts. Which means they're cold. Ça veut dire qu'ils sont froids. God wants them to be hot. Et Dieu veut que nous soyons chauds. If you're cold, you're dead. Donc si vous êtes froid, vous êtes mort. If you're hot, you're alive. Et si vous êtes chaud ou bouillant, vous êtes en vie. So you want to go from death to life. Donc il nous faut passer donc de la mort à la vie. Who can bring life? Qui peut générer la vie? Only God can. Seulement Dieu. Jesus. Jésus. Is the what? Est. The beginning. Le commencement. Of the creation. De la création. Of God. De Dieu. Remember? Vous vous souvenez? He's the one that brings all creation. C'est lui qui a fait toute la création. He's not the created one. Ce n'est pas celui qui est créé. He's the one that initiates creation. C'est lui qui a initié la création. He's the one that's going to create us. C'est lui qui va nous créer. From this condition. De cette condition. This condition. De celle-ci. To a saint. Pour un saint. So we're okay with that. Nous sommes d'accord avec cela. So let me ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. Everybody, because we're Adventists, we all know about this stuff. Bon, nous sommes tous des Adventistes, nous connaissons ces choses. Everybody's heard of two words. Alors tout le monde a entendu parler de deux mots. Revival. Le réveil. And reformation. Et la réforme. Yeah, we all know what that means. Nous savons tous ce que cela signifie. So we'll do, even though this is French. Même si c'est en français. We'll do a bit of Latin. On va faire un peu de latin. Because these words are Latin words. Parce que ce sont des mots latins. And they branched off into the English and the French mostly. Et ils sont allés donc du français à l'anglais. So. There's a prefix here. Il y a un préfixe. And it's the prefix of re. C'est le préfixe re. Sometimes it's re. Des fois c'est re. And sometimes it's red. Des fois c'est rouge. It can be red, one of the two, red. Depending upon the word. Donc ça peut être re ou red. Ça tout dépend du mot. So when you've got re. Quand vous avez re, in the original, re dans l'original, sometimes it might be red. Des fois, ça peut être aussi red. The original means Latin. Je veux dire latin. Quand je dis original, c'est le latin. Do the word redeem. Ouais. Okay, so you do it here in the French as well. It's exactly the same. Donc en français aussi, on le fait. C'est exactement la même chose. Finish the word. So what we've done is we've taken a French word and we've broken it in two because they're Latin words. Donc on prend ce qu'on fait, on prend un mot et on le sépare en deux parce que c'est un mot latin. So it's made up of two words. Donc il est constitué de deux mots. In these ones, it's RE, and these ones, it's RED. Donc, dans le premier réveil, c'est RE, et dans le deuxième, c'est RED. So, this word here, this prefix. Donc, ce préfixe-là. It means to go back. Ça veut dire retourner. Go back. Retourner. Do again. Refaire de nouveau, faire de nouveau. Recommencer, ok, ouais, c'est mieux. What you say? She gave me a better word. Restart. No, you can't do restart because you're defining the word with the word. Okay. You can't put a re to define re. Okay, donc
Ok, donc faire de nouveau alors. Explain that. On peut pas prendre okay, le. No, actually, no, do it because you've done it here as well. Yeah. So. The problem with the French. Le problème avec le français. Sorry. Is that you're using words which have got re to explain what re means, and it's not proper to do that. Oh, what is the word again? Faire de nouveau, recommencer. Ok. So, this is breaking all the rules of dictionaries. Donc ça brise toutes les règles du dictionnaire. Can we see why? Est-ce que nous pouvons voir pourquoi? I want to define what that means. Parce que je veux définir ce que ça veut dire. And you're using this to define this. Et vous utilisez le même préfixe pour le définir. It's not safe to do that. Donc ce n'est pas sécurisant de faire cela. I'm sure even in the French you can define this without using those words. Je suis sûr qu'en français on peut utiliser, on peut définir ces mots sans utiliser les préfixes re. What's the word back? Is that going to work? Tout, retour. Mais it's always if I go backwards. Reculer, reculer. Oh, you do it all the reculer, time. Yeah. It's not clever. Anyway. So, this means to go back. Ça veut dire retourner. Aller en arrière. Ok, on peut dire aller en arrière. Donc là, on va mettre faire à nouveau. Aller en arrière. Allez. If you keep on repeating the same action over and over again, si vous répétez la même action encore et encore, it would be like if you were digging a hole. Si vous creusez un trou. And you kept on doing the same action over and over again. Et vous faites la même action encore et encore. It would mean. Cela signifie. Deep. Ça veut dire profond. Deep. D-E-E-P. Like a hole that gets deeper and deeper. Comme un trou qui va en profondeur, encore en profondeur. So that's what all of this means. Donc voilà ce que cela signifie. While we're here. La raison pour laquelle nous sommes ici. What does this mean? Ça veut dire quoi, option? The word itself. Le mot, parce qu'on a dit rédemption et on a pris que la dernière partie du mot option. It means to buy. Ça veut dire acheter. Or purchase. It's the same, acheter. It's the same. Okay, spell it, say. So, acheter. So that's what this word emption means. Voilà ce que signifie le mot option. It's a French version of a Latin word. C'est la version française d'un mot latin. So if we put red in front of it. Et si nous plaçons le red devant option. What does it mean? Ça veut dire quoi? Rachat. Rachat. On a rachat en français. We have rachat. It means what? Buy again. Yes, to buy again. So. If you're buying it again, it means you've already bought it once. Si vous le rachetez de nouveau, ça veut dire que vous l'avez déjà une fois. I mean, you already had possession of this thing. Vous avez possession de cette chose. And somehow or another, it got lost. Then you have to buy it back again. Et d'une façon ou d'une autre, vous l'avez perdu. Il faut le racheter. Okay, this word here. Donc ce mot là. That one's obvious. C'est évident. It means what? Qu'est-ce que ça veut dire là? Veille. Yeah, because it's the same word in. It means life. Ça veut dire vie. Yeah. I won't even do it in French because it's okay. The same thing. It just means life. Ça veut dire la vie. And this word? Et ce mot-là? Create. We create or create? Just the word itself. Le mot en lui-même. Means to shape. Ça veut dire former. So again, in the French, it's going to be the same thing. Donc en français, ça sera la même chose. So it's got all these re's. Donc nous avons tous ces re's là. Because you're doing it again. Parce que vous le faites de nouveau. So I want to ask you a question. Donc j'aimerais vous poser une question. Because we all heard about revival and reformation. Parce que nous avons tous entendu parler du réveil et de la réforme. Which one comes first? Qu'est-ce qui vient en premier? Revival or reformation? Le réveil ou la réforme? So people say this comes first. Donc les gens disent que le réveil arrive en premier. And this comes second. Et la réforme arrive en deuxième. Agree with that? Vous êtes d'accord avec ça? Okay. So let's take our study a little bit further. Alors amenons un peu plus loin notre étude.
Now we're going to take these rays off. On va enlever donc les rays. So we've got, we've got vival. Nous avons we've got life. La vie. And we've got form. Et la forme. Okay. So if you're not doing it again, si vous ne le faites pas de nouveau, this must be the first time. Ça veut dire que c'est la première fois. Agree with that? Vous êtes d'accord? So where's the first time you see any of this happening? Alors quelle est la première fois où vous voyez ces choses se passer? Creation. Creation. À la création. So we'll go to Genesis. Donc on ira dans Genèse. So we'll go to Genesis. Donc allons dans le livre de la Genèse. Chapter 2. Au chapitre 2. We're probably not going to read anything yet. Peut-être que nous n'allons rien lire pour le moment. So here's the earth. Voici la terre. And there's some sea. Il y a donc la mer là. And there's some land. Et il y a donc une terre. And on this land, et sur cette terre, there's a big pile of earth or dust. Il y a une pile donc de poussière, de terre. Agree with that? Vous êtes d'accord? Okay, so let's go to the creation then. What's going to happen? Allons à la création là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Number one. Premièrement, light. No. I'm talking about not the whole of creation. Non, je parle pas de toute la création. We've already got the sea and the land and the dust already. We've jumped some days. On a sauté quelques jours parce qu'on a déjà la mer, la terre. We're on day number six. Nous sommes au jour numéro 6. Adam. Okay. So here's this land. Voici cette terre. And here's this pile of dust. Voilà cette pile de terre. What's the first thing that happens? Quelle est la première chose qui se passe? Adam. Yeah, how? Mais comment? He gets this dust. Il prend cette poussière ou cette terre. And he does what with it? Et qu'est-ce qu'il fait? Il forme shape. Number one. Donc premièrement. He gets this dust. Il prend cette poussière. I'll do it this way. There's some dust here and some dust here. Il y a donc. And he moves it. Il prend les deux piles de terre et il les forme. And he gets this man. Et il a cet homme. Forme cet homme. Yeah. Oui. Agree with that? D'accord. And he looks like this. Et il ressemble à ça. Agree with that? Vous êtes d'accord? So what's the first thing he's done? Quelle est la première chose qu'il a faite? Il forme. Number two. Deuxième. Et brief. Which is? Qui est? So here's this man. Donc voici cet homme. And he's going to breathe into him life. Il va insuffler en lui la vie. So what's that? Et c'est quoi ça? Revival. Life. Vive. Vivre. C'est V-I-E. Oh. V-I-E. Let's say V. So, let me ask the question again. Donc, laissez-moi vous poser la question de nouveau. What comes first? Qu'est-ce qui vient en premier? Revival or reformation? Le réveil ou la réforme? So, reform. So, reforms come before revival. Donc, la réforme arrive en premier. See how easy it is to get things wrong. Vous voyez comment c'est facile d'arriver à des fausses conclusions. Because of the indoctrination and the education we've had in our church. Parce que en raison de la l'éducation doctrinale que nous avons reçue à l'église. There's many ways to show this. Il y a plusieurs façons de montrer cela. When we talk about reform, lorsque nous parlons de la réforme, eating, dressing, living, le manger, le boire, l'endroit où on vit, education, l'éducation, all these reforms, toutes ces réformes, what's the purpose of them? Quel est donc leur but? What's the purpose of the medical missionary work? Quel est le but de l'œuvre missionnaire médicale? To give us life. If this was a stone, si c'était ainsi, so let me ask you, laissez-moi vous poser la question. I'm an atheist. Je suis athée. And I'm a top athlete. Or I want to be a top athlete. Good. Je veux être bien bon. Un athlète? Ok, merci. Je veux être un bon athlète. So I'm going to train. Donc je vais me former. And what's the best food to eat?
Et quelle est donc la meilleure alimentation à manger? Vegan, obviously. Donc des vegetables. So I'm going to wear the right clothes. Donc je vais me vêtir du bon vêtement. I have to move from where I am now to the right location. Donc il faut que je me déménage de l'endroit où je suis pour aller au bon endroit. And I go to the Olympics and I get my medal. Et je vais tout faire parce que je veux ma médaille. What life have I got? Quelle vie que j'ai là? I did all those reforms. Je fais toutes ces réformes. And am I alive? Est-ce que je suis en vie? Yes. Spiritually, remember, spiritually. Spirituellement, on parle. Of course I'm not. Bien sûr que non. I'm totally in the world. I want man's glory. Je suis honor me. Complètement dans le monde parce que je veux que les hommes m'honorent. Je veux la gloire. It's all about self. Là, il s'agit que du moi. That's what the Olympics are about, isn't it? C'est ça les Jeux Olympiques, n'est-ce pas? So how do all those reforms give me life? Alors comment toutes ces réformes peuvent-elles me donner la vie? Reforms can never give you life. Les réformes ne peuvent jamais vous emmener la Look vie. At the story. He was formed here. Regardez l'histoire là, il a été formé là. He had no life. Il n'avait aucune vie en lui. Reforms bring no life. La réforme n'amène aucune vie. You see the ground? Voici le sol. And there's a big block here. Il y a un grand bloc là. And we want to move the block. Et on veut déplacer ce bloc. Now, because we're so modern, we don't know how to do this. Parce que nous sommes modernes maintenant, nous ne savons plus comment le in faire. In the traditional way. De la façon traditionnelle. So in the olden days. Mais dans les jours anciens. What they would do. Ce qu'ils auraient fait. Is they'd get a small piece of wood or stone. Ils auraient pris donc un morceau de bois ou une pierre. Get a large stick. Ils auraient pris un grand bout de bois. And do what? Et qu'est-ce qu'ils auraient fait? Will press upon it. They'll put it underneath. Ils auraient mis sous le bloc. And if you press down here. Et quand vous donc pressez, appuyez sur le bâton, cela aurait, ce serait déplacé. Because it's a lever. Parce que c'est un levier. So we'll, hopefully we all understand about leverage. Donc je pense que vous comprenez cela, le levier. Now I could do the same thing. Donc je peux faire la même chose. But not with a stick and a pebble. Mais non pas avec le bâton et la pierre là. I'll drop that down and do this. Je fais cela. And it's not a stick now. What do we call that? Donc ça, ce n'est pas un bâton. Maintenant, comment appelons-nous ça? It's called a wedge. Une cale, ok. Une cale. If I get this wedge. Donc si j'ai cette cale. And I get a hammer. Et que j'ai un marteau. And I start hitting that wedge. Et je commence à le pousser. What will happen? Qu'est-ce qui va se passer? This thing will start lifting. Ça va commencer à se lever. Yeah. Oui. So a wedge, donc cette cale là, is a lever. C'est un levier aussi. Exactly the same thing. C'est exactement la même chose. So here's this immovable thing. Donc voilà cette chose là qui est indéplaçable. If you try to push it, it would not move. Et si vous essayez de la pousser, elle ne va pas se déplacer. So you get some help. Donc il vous faut une certaine aide. What is this help? Et donc c'est quoi cette aide? Come back to our model. What is si this on help? Retourne à notre modèle. What is this wedge? Donc c'est quoi cette cale? So Ellen White says. Donc Ellen White nous dit. The health message. Le message de la santé. Is what? Qu'est-ce que c'est que le message de la santé? The entering wedge. C'est la cale d'entrée. For the gospel. Pour donc l'évangile. For the gospel to do its work. Pour que l'évangile puisse faire son œuvre. What would the gospel bring you? Alors qu'est-ce qu'il vous apporte l'évangile? Brings you life. Il vous apporte la vie. The gospel is life. L'évangile c'est la vie. The health message is. Et le message de la santé c'est. The formation or the reform. C'est la formation ou bien la réforme. So Adventists should know that. L'adventiste devrait savoir cela. That the reform message. Que le message de la réforme. Or the health message. Ou bien le message de la santé. Is the entering wedge of the gospel. C'est la porte d'entrée de l'évangile. So if you help someone who's sick, donc si vous aidez quelqu'un qui est malade, they're more inclined to trust you and listen to you. Ils sont plus enclins à vous écouter et à vous croire.
But we've become so focused. Mais nous sommes devenus si attentifs, concentrés. On reforms. Sur donc la réforme. That we think. Que nous pensons. If you do the reforms. Que si vous faites les réformes. They will produce life. Cela, elles vont produire donc la vie. Or worse than that. Ou pire que cela. Because you're doing reforms, it means you have life. Parce que vous pratiquez les réformes, cela signifie que vous avez la vie. Hein. We spoke about this yesterday. Nous en avons parlé hier. The leaders, the Pharisees. Les pharisiens, les dirigeants. Are they tithing? Est-ce qu'ils payent leur dîme? Are they fasting? Est-ce qu'ils jeûnent? Are they wearing the right clothes, living in the right place? Est-ce qu'ils vivent au bon endroit et portent les bons vêtements? Doing all the reforms. Est-ce qu'ils font toutes ces réformes? And they're dead. Et pourtant ils sont morts. Reforms never bring life. Les réformes n'amènent jamais, ne génèrent jamais la vie. But they're the first step or the entering wedge. Mais c'est la première étape pour donc la porte d'entrée. The biggest problem. Le plus grand problème. That I face when I teach these messages. Que je rencontre lorsque j'enseigne ces messages. Is that many people who come to these meetings. C'est que beaucoup de ces personnes qui assistent aux réunions. Are what we would call conservative Adventists. Sont des personnes que l'on nommerait des adventistes conservateurs. Because liberals are not normally interested in prophecy. Parce qu'en général, les adventistes libéraux ne sont pas intéressés par la prophétie. Or the mark of the beast, they don't really care. Ou de la marque de la bête, en général, ils s'en moquent. Most people that come to our meetings are conservatives. La majorité des adventistes qui assistent aux réunions, ce sont des adventistes conservateurs. And the main difference between a conservative and a liberal. Et donc la différence entre les deux catégories conservateurs et libéraux. Is conservatives follow the rules. C'est que les conservateurs eux suivent les règles. Which basically means their health rules. Ça veut dire quasiment de façon simple les règles de la santé. And they're so fixated upon these rules. Et ils sont si fixés sur ces règles. When someone says. Quand quelqu'un dit. Follow all the rules you want, you're still going to die. Vous pouvez suivre toutes les règles que vous voulez, vous allez pourtant mourir. They won't believe you. Ils ne vont pas vous croire. Even when I can prove it. Et même si nous pouvons le prouver. If we got a dead person here. Si vous avez une personne morte ici là. And we open their mouth. Et que nous ouvrons sa bouche. We started pouring carrot juice down et them. Et nous commençons à lui donner du jus de carotte. It's really healthy. Parce que c'est très sain. Would they become alive now? Est-ce qu'ils vont devenir en vie maintenant? Of course they wouldn't. Bien sûr que non. Healthy food. La nourriture saine. Never resurrects dead people. N'a jamais ressuscité des personnes mortes. It's clear. Il est clair. But Adventists think they do. Mais l'Adventiste croit qu'il ferait. In the society I come from. Dans la société d'où je viens. When you die. Quand vous mourrez. They take you to the morgue. Ils vous emmènent à la morgue. And they go to the shops. Ils vont dans la boutique. They buy you a brand new suit. Ils vous achètent donc un costume nouveau. So they get this dead person. Donc ils ont cette personne morte. Put in a brand new suit. On le revêt donc d'un costume flambant neuf. And then bury them. Et ensuite on l'enterre. Why they do that for? Mais pourquoi faire cela? I mean, he's putting dress, a nice dress on someone. Donc mettre un beau vêtement sur quelqu'un. Gonna bring them alive. Pour leur ramener la vie. Of course it's not. Bien sûr que ça ne va pas they le faire. They just look like smart dead people. Ces personnes ressemblent juste à des personnes bien habillées, mortes. Mais des personnes mortes bien habillées. And that's what we are. Et c'est ce que nous sommes. We're well-dressed dead people. Nous sommes des personnes bien habillées, mais qui sont mortes. You can lengthen your skirts. Vous pouvez avoir la bonne longueur pour votre jupe. Cover your body. Vous pouvez avoir donc vous prendre soin de votre corps. All nice things. Toutes ces bonnes choses. But it will never produce life. Mais cela ne va jamais produire la vie. But that's what we do. That's what we believe. Mais c'est ce que nous faisons et c'est ce en quoi nous croyons. And it's so ingrained. That's why we have it the other way around. Et c'est si enraciné en nous et c'est pour ça que nous le plaçons différemment. Okay. So we've spoken about how Adam was created. Donc nous avons parlé comment donc les animaux Adam. Adam a été créé. I said Genesis chapter 2. J'ai dit Genèse 2. And we'll read the verse 7. Et nous avons lu nous allons lire le verset 7 de Genèse 2. Genèse 2 le verset 7. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante.
By the way, au fait, the word man, le mot homme, verse 7, au verset 7, the Lord God formed man, Dieu forma l'homme, and let me find another verse. Il me faut trouver un autre verset. What does the word man mean? Qu'est-ce que le mot homme veut dire? Does anybody know? Est-ce que quelqu'un sait? Pardon? Formed by the dust. Just the word man. Juste le mot homme. I'll tell you in a second. Je vais vous dire dans verse 19. Je vais vous dire au verset 19. All it's going to tell us. Ça va nous dire. Is all the land animals were created the same way? Que est-ce que les animaux ont été créés de la même façon? They're all created out of the earth. Les volatiles dans l'air. And then it says, et ensuite il nous est dit, God brought all of these things, Dieu a présenté toutes ces choses, and brought them to Adam, et les a conduites à Adam. So we've got the word man, donc nous avons le mot homme, and we've got the word Adam, et nous avons le mot Adam. In fact, Adam and man mean the same thing. Parce que Adam et homme, ça veut dire la même chose. So what does Adam and man mean? Donc qu'est-ce que Adam et homme signifient? Creation of God. Is it double M-E? Say? Son. Adam, yeah. What does it mean? Homme, Adam, homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait? Dust. I'll tell you. Je vais vous dire. It means red. Ça veut dire rouge. Mm-hmm. Rouge. Do it in red. Oh, okay. Merci. It actually means red. Ça veut dire rouge. Why would it mean red? Pourquoi cela signifie rouge? The blood. Because of the blood. En raison du sang. When you saw David. Quand vous avez vu David. What did he look like? Il ressemblait à quoi? First time David is introduced into the Bible stories. La première fois que David est introduit dans l'histoire biblique. This young man. Cet homme, ce jeune homme. Full of life. Rempli de vie. He looks beautiful, looks handsome. Il est très beau. And how do you know he was handsome and full of life and healthy? Et comment savez-vous toutes ces choses qu'il est beau, sain et intelligent? Because he had a beautiful face. Yes. But. Mais. In 1 Samuel 16:12. Mais dans 1 Samuel 16:12. Besides the beauty, it says something else. Au-delà de la beauté, on nous dit quelque chose d'autre. 1 Samuel 12. 16:12. Ah, 1 Samuel 16:12, pardon. 1 Samuel 16:12. Il nous a dit, et il envoya et le fit venir, or il avait le teint vermeil. Yeah. Vermeil. What's that? Qu'est-ce que c'est? It's red. It's red. C'est rouge. Where is the redness? What does it mean if someone's ruddy? Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un a le teint vermeil? You look at their cheeks. Vous regardez à ses joues. They're glowing. Glowing. Elles sont quoi? Lumineuses. You can see that they have life. Vous pouvez voir qu'elle a la santé, la vie, son bonne santé. So he's red. Donc il est rouge. Because he's a symbol of the blood that's flowing through them. Symbole du sang qui coule en lui. And they look like they're glowing or they're ruddy. Et on le voit qu'il a le teint vermeil ou qu'il est illuminé. So that's what it means. Man became a living soul. Et voilà ce que ça veut dire que l'homme devint une âme vivante. He looked healthy. Il avait l'air en bonne santé. Okay, so we did that. Nous avons fait cela. Hopefully we'll make an application of this law afterwards. Et j'espère qu'on pourra faire une application après. Can we see that this must be connected to Revelation 3? Est-ce que vous voyez que cela doit être en relation avec Apocalypse 3? Cold, lukewarm, hot. Alors froid, tiède et bouillant. If you're hot, si vous êtes bouillant, what color are you? Quelle couleur êtes-vous? Rouge, red, good. We can see the connection. Donc vous pouvez voir le lien. Ezekiel. Ézéchiel. Chapter 37. 37. Now we've spoken about this bride.
Nous avons parlé de cette épouse who's got herself ready. Qui s'est préparée. Her garments, ses vêtements, are white. Sont blancs. They're her garments given to her as a gift. Ce sont ses vêtements qui lui ont été donnés comme un don. We've spoken about creation. Et là, nous parlons de la création. First comes Reformation, then revival. Premièrement, on parle de la réforme et après du réveil. We saw that the reforms was a wedge for the gospel. Et on a vu que donc la réforme, on va dire une porte d'entrée pour l'évangile. We saw this prefix real red. Et nous avons déjà vu ce préfixe là ré ou bien red. We looked at some other words. On a regardé à d'autres mots. Buying back. Acheter ou rachat. Shaping. La forme. Life. La vie. We connected all these thoughts together. Nous avons relié toutes ces pensées ensemble. And we said that they're dealing with the creation of Adam like this. Et nous avons vu que cela traité de la création d'Adam, d'Adam. Which showed us ce qui nous montre the correct steps. Les bonnes étapes. So we're going to tie these thoughts together now. Donc maintenant, on va mettre tous ces rassembler ces pensées. Remember Matthew 23. Et rappelez-vous donc de Matthieu 23. The leaders look like what? À quoi ressemblent les dirigeants? The bones of dead men. Des ossements d'hommes morts. Remember here? Vous vous souvenez là? Bones of these dead men. Donc les ossements d'hommes morts. Now we know what the bones mean. Nous savons ce que signifient donc les os. It means people who are lost. Donc ça veut dire des personnes qui sont perdues. Hein? Who are living in rebellion to God. Qui vivent dans la rébellion à Dieu. They're literally alive but spiritually dead. Ils sont littéralement en vie mais spirituellement ils sont morts. Chapter 37, verse 1. Donc maintenant, Ézéchiel 37, le verset 1. La main du Seigneur fut sur moi, et le Seigneur me transporta en esprit et me posa au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. So, Ezekiel. Ézéchiel. Is taken to a valley. Est amené dans une vallée. And in this valley. Et dans cette vallée. He sees il a vu that it's full of bones. Qu'elle était pleine d'ossements. Verse 2. Le verset 2. Et il me fit passer près d'eux tout autour, et voici, ils étaient en fort grand nombre en pleine vallée, et ils étaient fort secs. Says that they're very dry. Il dit qu'ils étaient vraiment secs. These bones. Ces os étaient vraiment secs. Now, if you've got dry bones, is that life or death? Donc si vous avez des ossements secs, est-ce que c'est la vie ou la mort? La death. Okay. So I want you to tell me. Donc j'aimerais que vous puissiez me dire. When you've got bones that are dry. Quand vous avez des os qui sont secs. So here's the bone. Voici là les os. That is dry. Qui est sec, S-E-C. Sec, it's okay. What does that equal? Cela équivaut à quoi? We know it's dead people. Nous savons qu'il s'agit de personnes mortes. And it's not fair because I already know the verse. Donc c'est pas juste parce que moi je connais déjà le verset. And it's not that easy to see it unless you're used to it. Pas facile à voir à moins que vous ne soyez habitué. So we'll go to verse 11. Nous allons donc au verset 11. Now you tell me what a dry bone means. Maintenant vous allez me dire ce que signifie ces os desséchés. Le verset 11. Alors, donc, dites-moi la réponse. Israël. House of Israel. No, I want the definition of what that means. Je veux la définition de ce que cela signifie. So the Israel house, lost, without hope. Okay, so that's what it means. Donc voilà ce que ça veut dire. Sans no hope. Okay, sans expérience. So the dry bones means no hope. Les ossements desséchés, ça veut dire sans espérance. So now we'll read the verse. Maintenant, on va lire le verset. Donc, on est au verset 11 d'Ézéchiel 37. Alors il me dit, fils d'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, nos os sont desséchés et notre espérance est perdue. Nous sommes retranchés. So here's this man. Donc là, il y a cet homme. He's alive. Il est en vie. Hein. And he says, et il dit, my bones aren't doing well, they're hurting. Mes os me font mal.
My bones feel dried up. Ils sont desséchés. I don't feel well. Je ne me sens pas bien. So this dried bones. Donc ces ossements desséchés. What it's a symbol of. C'est un symbole. Is someone. De quelqu'un. Who has lost all hope. Qui a perdu tout espoir. If you've lost all hope. Si vous avez perdu tout espoir. What condition are you in? Dans quelle condition vous trouvez-vous? Lost, dead. Dead. There's no future. Il n'y a aucun avenir futur pour vous. Without hope, sans espérance, we're the most miserable people. Nous sommes les personnes les plus misérables. Because you can't do what you want. Parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. You can't live in the world like you want to. Vous ne pouvez pas vivre dans un monde comme vous le voulez. Because you feel bad. Parce que vous vous sentez mal. Feel guilty. Coupable. But if you live this life, mais si vous vivez cette vie. And you don't have any hope. Et sans avoir une espérance. You're like in the middle. C'est comme si vous êtes au milieu. You're not dead and you're not alive. Vous n'êtes pas en vie ni mort. That's the problem with Adventism. Et c'est ça le problème de l'Adventisme. You go into the world. Si vous allez dans le monde. You feel guilty. Vous vous sentez coupable. You come to the church. Et quand vous allez dans l'église. You feel bored. Vous vous sentez vous ennuyez. So you live in this middle place. Donc vous vivez dans ce milieu là, intermédiaire. You don't fit in the world. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas apte pour le monde. And you hate the lifestyle of a Christian. Et vous n'aimez pas la vie, le style de vie d'un chrétien. It's miserable. Donc c'est une condition misérable. And that's what these people are. Et c'est de cette façon que se trouvent ces gens. Miserable. Ils sont misérables. So, there's a solution to these people. Et pourtant, il y a une solution pour ces personnes. First thing I want us to see. Et la première chose que j'aimerais que vous voyiez. The word valley. Le mot valley. V-A-L-L-I-I. What does valley mean? Qu'est-ce que signifie valley? Keep your hand in Ezekiel. Alors, gardez une main dans Ézéchiel. Go to the book of Joel. Allez maintenant dans le livre de Joël. Can you see how we're using these rules? Est-ce que vous voyez de quelle façon nous utilisons ces règles? To try and build up a picture. Pour essayer de construire une image. Because when you read, parce que lorsque vous lisez, and you're seeing children's stories about this, et que vous voyez des histoires d'enfants à ce sujet, the pictures, ou des images, I want to know what a valley means. J'aurais voulu moi savoir à quoi. Qu'est-ce qu'une vallée? Why are they in a valley? Pourquoi se trouvent-ils dans une vallée? Not in a forest. Non pas dans une forêt. Or in a desert. Ou dans un désert. Because you'd expect bones dry to be in a desert, wouldn't you? Parce que vous vous attendez que des ossements secs se trouvent dans le désert, n'est-ce pas? Not in the valley. Et non pas dans une vallée. So we go to Joel. On va dans le livre de Joël. If you're looking for Joel, it's Daniel. Si vous regardez pour Joël, c'est Daniel. Then Hosea, then Joel. Joel's a very small book. Daniel, Hosea, Joël. And we're going to go to Joel chapter 3. On va dans Joël 3. Verse 14. Verset 14. Joël 3, 14, c'est bon? Des multitudes dans la vallée de décision, car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de décision. So, what does the valley mean? Qu'est-ce que la vallée signifie? Décision. So it's the place of decision. C'est le lieu de la décision. So these bones. Donc ces ossements. They're in this valley. Ils se trouvent dans cette vallée. We're back to Ezekiel 37. Si nous retournons dans Ézéchiel 37. It's talking about God's people. Il nous parle donc du peuple de Dieu. Who have no hope. Qui n'a aucune espérance. Now they've come to a place. Et là maintenant ils se trouvent à un endroit. What has to happen to them? Où qu'est-ce qui doit se passer pour eux? They have to. Ils doivent. Make a decision. Ils doivent prendre des décisions. And here's a prophet that's come to them. Et il y a un prophète qui vient à eux. So the prophet's going to come to these people. Donc le prophète va venir vers ces gens. Who have no hope. Qui ne possèdent aucune espérance. And what's he going to say to them? Et qu'est-ce qu'il va leur dire? You need to make. Il vous faut faire. A decision. Il vous faut prendre une décision. With Ezekiel 37 verse 1. Nous sommes dans on retourne, Joël. We're in Ezekiel 37 verse 1. Nous sommes dans Ézéchiel 37 1. And we just read Joel 3:14. Et nous venons juste de lire Joël 3
14. So these bones are in this valley. Donc ces ossements qui sont dans cette vallée. And what we want to understand is what does that mean? Et nous on veut comprendre qu'est-ce que cela signifie. It means this person. Ça veut dire que cette personne. With no hope. Sans espérance. No hope. Mm-hmm. He has to make a decision. Il doit faire une décision. What decision does he have to make? Mais quelle décision doit-il prendre? Decision of life. La décision de la vie. Or death. Ou de la mort. Where is he? Où se trouve-t-il? His death. Cold. Là, c'est froid. F A F. Cold and hot. Okay. Donc froid. Et là, on va mettre bouillant. He has to make a decision. Là, il doit prendre une décision, faire He's un choix. He's in between. Il se trouve au milieu. He's in the valley of decision. Et il est dans la vallée de la décision. Is he going to choose death? Va-t-il suivre, choisir la mort? Or life? Ou bien la vie? Remember. Rappelez-vous. Where is he? Où est-il? He's actually lost already. He's already dead. Il est déjà perdu. Il est déjà mort. But God is going to have mercy on him. Mais Dieu va avoir de la miséricorde envers lui. The worst people on this planet. Les pires personnes sur cette planète. Are Adventists. Ce sont les Adventistes. Why? Mais pourquoi? Because we're the biggest hypocrites. Parce que nous sommes les plus grands hypocrites. Adventists are dead. Les Adventistes sont morts. And they pretend to be alive. Et ils prétendent être en vie. And God's going to come to us. Et Dieu va venir vers nous. And say, make a decision. Et va nous dire de prendre une décision. If you want death or life. Soit tu veux la vie ou la mort. There are genuine people in Adventism. Mais il y a des personnes authentiques dans l'Adventisme. Like those people who read in Matthew 5. Comme ces personnes dans Matthieu 5. Those people who are poor in spirit. Ces personnes qui sont pauvres en esprit. They acknowledge. Ils reconnaissent. That they are poor. Ils reconnaissent leur pauvreté. Naked. Leur nudité. And blind. Et leur cécité. And if you're willing to acknowledge that. Et si vous êtes prêt à reconnaître cela. When you come to this place of decision, quand vous vous trouvez dans cet endroit de la décision, you have an opportunity. Vous avez donc une opportunité for receiving life. Pour recevoir la vie. And how does all that happen? Et comment tout cela va-t-il se passer? Verse 3. Le verset 3, Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, verset 3. Et il me dit, fils d'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Et je répondis, ô Seigneur Dieu, tu le sais. God says, can the people come alive? Dieu dit, est-ce que ces personnes peuvent revivre? Ezekiel says. Ézéchiel répond. You know everything, God. Mais tu sais toutes choses, Dieu. Verse 4. Le verset 4. Et de nouveau, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô vous os secs, entendez la parole du Seigneur. So, he's going to start making these people come alive. Il va commencer à faire que ces personnes retrouvent la vie. And he's not going to say to them. Et il ne va pas leur dire. Stop stealing. Stop lying. Stop committing adultery. Arrête de mentir, de voler, de commettre l'adultère. Stop eating bad food. Arrête de manger une mauvaise nourriture. Move to the country. Va vivre à la campagne. Your clothes are not right. Tes vêtements ne sont pas appropriés. None of that. Il va pas leur dire tout ça. He says prophesy to them. Il dit prophétise. Give them a prophecy. Donne-leur une prophétie. This will begin the work. Parce que cela va commencer l'œuvre. Of restoring them. De les restaurer. Verse 5. Le verset 5. Ainsi dit le Seigneur Dieu à ses os, voici je vais faire entrer en vous le souffle et vous vivrez. So he says, these bones, il dit ces os, I'm going to breathe life into them. On va leur donner de la vie. They will live. Et afin, on va souffler en eux afin qu'ils vivent. Verse 6. Et le verset 6. Et je mettrai des nerfs sur vous. Et je ferai venir de la chair sur vous, et je vous couvrirai de peau, et je mettrai le souffle en vous, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. I want you to see in verse 5 and 6, j'aimerais que vous voyez que dans les versets 5 et 6, they reverse the order. Ils ont renversé l'ordre. It says breathing. Ils ont dit souffler. Verse 5. Le verset 5. Forming into a human being, afin, verse 6. Et au verset 6, et reformé en tant qu'être humain. Does it backward? Ils l'ont fait en arrière. Because the end result, conclusion, parce que la conclusion, is what's important. Est ce qui est important. As Paul would say, comme Paul le dirait, this is the conclusion of the matter. Voici la conclusion du sujet. Life.
La vie. Then verse 6 tells you how you get the light. Et le verset 6 nous dit de quelle façon nous obtenons verse cette 7, vie. Et le verset 7. He says, I prophesied as I was told. Et j'ai prophétisé selon ce qui m'avait été commandé. And there's a shaking and a noise. Et il y a eu un tremblement, un bruit. And the bones come together. Et les os se sont approchés. The bones come together. Ils se sont approchés les os. And then the sinew comes and the flesh comes. Et les nerfs sont venus aussi la chair. Last part of verse 8. La dernière partie donc du verset 8. But there was no breath in them. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Can everybody see? Est-ce que tout le monde peut voir? This is following the same pattern as creation. Que cela suit le même schéma que de la création. Yes. Oui. You formed a human being and you breathe into them. Vous êtes formé en tant qu'être humain, puis après on souffle. What does the first prophesying do? Qu'est-ce que la première prophétie fait? It turns them. Il les change. Into a human being. En un être humain. But they're dead. Mais ils sont morts. Verse 9. Le verset 9. Alors il me dit, prophétise au vent, prophétise fils d'homme, et dis au vent, ainsi dit le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, au souffle, souffle sur ces tués afin qu'ils vivent. So verse 9, le verset 9, here you are, vous voici là, breathing to these bodies. Souffler dans ces corps. And then what's going to happen to them? Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Verse 10, le verset 10, he breathes into them, il souffle en eux et ils étaient vivants. Verse 10. Ok. Je prophétisais donc et comme il m'avait été commandé, et le souffle entra en eux et ils étaient vivants. Et se tenait sur leurs pieds une extrêmement grande armée. So he has a second prophecy. Donc là, il y a une deuxième prophétie. And this is what brings life. Et c'est ce qui amène la vie. Hein. So we've got prophecy one. Donc nous avons la première prophétie. Hein. And then prophecy two. Puis la deuxième prophétie. It takes two prophecies. Et il a fallu de deux prophéties. To create life in these people. Pour créer la vie dans ces gens. The first prophecy. La première prophétie. Brings Reformation. Amène donc la réforme. The second one. Et la deuxième. Brings revival. Amène le réveil. We read verses 9 and 10. Nous avons lu les versets 9 et 10. And we already read verse 11. Et on a déjà lu les versets 11. So. Donc. This story in Ezekiel. Cette histoire dans Ézéchiel. What is it a story of? C'est une histoire qui parle de quoi? Story of creation. C'est l'histoire de la création. Agree with that? Vous êtes d'accord avec cela? Who's being created? Qui a été créé? The man. The man. L'homme. So this man is being created. Donc l'homme a été créé. Yes. Oui. Adam. Adam. So this is the creation of Adam. Ça, c'est la création d'Adam. Okay, so let's go back to his Genesis 2. Et maintenant, retournons dans Genèse 2. In Genesis 2, we read verse 7. Dans Genèse 2, nous avons lu le verset 7. And in verse 7 it said God formed man out of the dust of the earth. Et le verset 7 nous dit que Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Then he breathed into him the breath of life. Et ensuite il souffla dans ses narines le souffle de vie. Okay. So Adam. Donc Adam. Adam. Is made from what? Adam, sorry. He? He's made from what? Il est fait de quoi? Dust. Dust. Il est fait de poussière. But we're in Ezekiel. Mais dans Ézéchiel. And Ezekiel. Ézéchiel. These people are not dust. Ne sont pas ces personnes ne sont pas faites. C'est pas de la poussière. What are they? Que sont-ils? They're bones. C'est les os. So this is not the creation of Adam. Donc là, il s'agit pas de la création d'Adam. Alors. We're in Genesis 2. Nous sommes dans Genèse 2. And we'll read verse 21. Et nous allons lire le verset 21. Genèse 2, 21. Et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il s'endormit, et il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. Verse 22. Le verset 22. Le Seigneur dit, fit une femme. Le Seigneur fit une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. And verse 23. Et maintenant le verset 23. Et Adam dit, c'est à présent l'os de mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. So Ezekiel. Donc Ézéchiel. Who's that the creation of? On parle de quelle création là dans Ézéchiel? Why? This is the creation of Eve. C'est la création d'Ève. Not Adam. Non pas d'Adam. Because Adam is. Parce que Adam c'est. The bridegroom. C'est l'époux. And Eve is the bride. Et Ève c'est l'épouse.
So the bride is dead. Donc l'épouse est morte. Hopeless. Sans espérance. Lost. Et perdue. The house of Israel. La maison d'Israël. She's a bone. Et c'est un os. And from this bone. Et à partir de cet os. God's going to create Eve. Dieu va créer Ève. But she's still dead. Mais elle est toujours morte. It's through a prophecy that that will happen. Et c'est par une prophétie que cela va se passer. Then. Ensuite, he will breathe life into Eve. Il va souffler la vie en Eve. And she'll become a living soul. Et elle va devenir une âme vivante. What day is that? Quel jour est-ce? Day six. C'est le sixième jour. She stands before Adam. Elle se tient devant Adam. Beautiful. Belle, très belle. And what's God going to do on that same day? Et qu'est-ce que Dieu va faire également le même jour? They marry on the sixth or the seventh. Ils sont mariés le sixième jour ou le septième? Sixth day. C'est le sixième jour. Soon as she's got the life. Dès qu'elle a la vie. Is she ready? Est-ce qu'elle est prête? Yes. She's ready. Elle est prête. Revelation 19, verse 7 and 8. Apocalypse 19, 7 et 8. And you haven't even got to the Sabbath yet. Et pourtant, nous ne sommes même pas encore arrivés au sabbat. The Sabbath day. Le jour du sabbat. Is a symbol. C'est un symbole. Of the Sunday law. De la loi du dimanche. Because it's a fight over the Lord's day. Parce que c'est une lutte contre le jour du Seigneur. As they fight over this day, alors qu'ils le combattent ce jour, what must have already happened? Qu'est-ce qu'il a dû se passer déjà? On the day before, le jour précédent, Adam must have married, doit être marié, Eve. À Eve. Which means she must have been ready. Ça veut dire qu'elle doit être prête. Which means she has to have had life. Ça veut dire qu'elle doit avoir la vie. Which means she has to be. Formed. Ça veut dire qu'elle doit être formée. The Sunday law is not here yet. La loi du dimanche n'est pas encore là. Each of us. Chacun d'entre nous. Need to be married before that event. Doit être marié avant cet événement. Not literally. Pas littéralement. Talking about symbolic. Nous parlons de symbole. Every single one of us are women. Chacun d'entre nous, nous sommes des femmes. Agree with that? Vous êtes d'accord avec ça? Whether you're male or female, you're a woman. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes masculin ou féminin, vous êtes une And femme. And we need to be formed. Et nous faut être formés. And we need to have life. Et nous faut avoir la vie. And in the same day. Le même jour. The sixth day. Le sixième jour. We need to marry Christ. Il nous faut nous marier à Christ. This happens in the sixth day. The sixth day. All in the sixth day. Tout cela se passe au sixième jour. So that we're ready. Afin que nous soyons prêts. For the seventh day. Pour le septième jour. And we know the seventh day is referring to the Sunday law crisis. Et nous savons que le septième jour fait référence à la crise de la loi du dimanche. So I want us to see. Donc j'aimerais que vous puissiez voir. That we are not ready. Que nous ne sommes pas prêts. We're the bride. Nous sommes l'épouse. We get ready when we've got our clothes. Nous sommes prêts lorsque nous revêtons de notre vêtement. Don't start dressing dead people. Ne commencez pas à revêtir des personnes mortes. Waste of money. Parce que c'est une perte d'argent. You dress people who are alive. Vous habillez des personnes qui sont en vie. When we're alive, we'll be ready. Et lorsque nous serons en vie, nous serons prêts. We're married to Christ. Et nous serons mariés à Christ. So that we can go into those Sabbath hours. De sorte que nous puissions aller dans ces heures de sabbat. The Sunday law crisis. La crise de la loi du dimanche. As one flesh. Comme étant une seule chair. Adam said. Adam a dit. This is bone of my bone, flesh of my flesh. Voici les os de mes os, la chair de ma chair. Because she. Parce que elle. Woman. Cette femme. Was taken out of me, parce que man. Elle a été prise de moi, l'homme. Do you know what woman means? Vous savez ce que signifie femme? It means man. Ça veut dire homme. Woman and man are the same word. La femme et l'homme, c'est le même mot. It's just one is the masculine and one is the feminine form of the same word. C'est la forme masculine ou féminine du même mot. Which nature? Quelle nature? Did Eve partake of? De quelle nature Eve participe-t-elle? C'est du français ça? Whose nature did she partake of? Quelle nature partage-t-elle? Adam. Adam's. Adam. He said. Il dit. Her bone is my bone. Her flesh is my flesh. Il a dit, ses os sont mes os. Sa chair, c'est ma chair. They're the same thing. C'est la même chose. She partakes of the nature of Adam. Elle partage la nature d'Adam. We read. Nous avons lu. 2 Peter chapter 1. 2 Pierre 1.
We're partakers of what nature? Nous partageons quelle nature divine? The divine nature. La nature divine. Who is that divinity that he's talking about? De quelle divinité parle-t-il? It's not the Father. Non, pas celle du Père. Not the Holy Spirit. Non, celle du Saint-Esprit. What divine nature is that? Mais de quelle nature divine est-ce? Jesus. C'est de la nature divine de Jésus, parce que Jésus is Adam. Est Adam. And Adam. Et Adam. Is what? Et qu'est-ce que Adam? Humanity and divinity combined. C'est la combinaison de l'humain et du divin. And that's what God is offering us. Et c'est ce que Dieu nous offre. The Holy Spirit comes in us. Le Saint-Esprit vient à nous. And we partake of the same nature that Jesus had. Et nous partageons la même nature que celle de Jésus. All of this happens. Tout cela se passe. By two prophecies. Par deux prophéties. Not by reforms. Non pas par des réformes. Not by your behavior. Non pas par votre comportement. But it's about prophecy. Mais cela touche la prophétie. Prophecy brings life. La prophétie amène la vie. And our church. Et notre église. Doesn't believe that. Ne croit pas en cela. The pioneers did. Les pionniers le croyaient. Ellen White did. Ellen White le croyait. And the scriptures teach the same. Et les écritures enseignent la même chose. But we've gotten so far from God. Mais nous sommes si éloignés de Dieu. We've lost the plot. Que nous avons perdu the plot. I knew you could. Nous avons perdu le repère. We don't know, we're directionless. Nous ne savons pas de quelle est notre direction. We've lost the thread of the story. Nous avons perdu le fil de l'histoire. And so we turn to something. Et nous sommes tournés vers quelque chose. To bring us comfort. Afin de nous donner du réconfort. If we're vegans, si nous sommes végétaliens. And we eat twice a day. Et que nous mangeons deux fois par jour. God will be happy. Nous devrions être contents. And maybe that will be enough to get into heaven. Et Dieu sera content et donc ça sera suffisant pour nous d'entrer au ciel. You might notice. Peut-être que vous avez remarqué. That I talk disparagingly about reforms. In a bad way. Je parle des réformes d'une mauvaise façon. I have nothing against reforms. Je n'ai rien contre les réformes. I try to keep the reforms as best as I can. Parce que j'essaie de pratiquer les réformes et de les observer du mieux possible. But I'm trying to identify a problem. Mais j'essaie d'identifier un problème. The problem is. Le problème est celui-ci. Adventists think life comes by keeping reforms. L'adventisme croit que la vie arrive par le fait de garder, observer les réformes. And in fact, we tell people off. Et là, en fin de compte, nous réprimandons les gens. We tell our children off. Nous réprimandons nos enfants. Our brothers, our sisters, our spouses. Nos frères, nos sœurs, nos épouses, nos conjoints. If you just eat better, drink better, dress better. Si vous mangez mieux, vous vêtissez mieux. Vous buvez mieux. Your life might change. Oui, votre vie pourrait changer. It might bring some life. Ça va emmener une certaine vie. Hein. And it's crazy. Mais c'est fou. It's a man-made theology. C'est une théologie faite par l'humain. And this message. Et ce message. Attacks that. Attaque cela. Philosophy. Attaque cette fausse philosophie. With a vengeance. Avec une vengeance. And people rise up. Et les personnes donc se lèvent. Because they feel that they're under attack. Parce que ces personnes se lèvent se croyant être attaquées. I hope you don't feel that way. Et j'espère que vous ressentez pas cette chose. That I'm attacking your lifestyle or your beliefs. Parce que je suis en train d'attaquer vos croyances et votre style de vie. But what I want us to be sure about. Mais ce que j'aimerais m'assurer. If you think your reforms will save you, they will not. C'est que si vous pensez que vos réformes vont vous sauver, je suis là pour vous dire que non. It's a delusion. C'est une illusion. What saves people? Ce qui sauve les gens. Is a clear understanding. C'est une claire compréhension. Of their mission. De leur mission. And our mission. Et notre mission. Is clearly defined by prophecy. Est clairement définie par la prophétie. It gives us direction and hope. Elle nous donne la direction et l'espérance. Let's pray. Prions. Our Heavenly Father. Notre Père Céleste. Please help us. Aide-nous s'il te plaît. Help us to come to a place of decision. Aide-nous à aller dans un endroit de décision. We thank you for your mercy. Nous te remercions pour ta grâce. Because you treat us like we're dead. Parce que tu nous traites comme si nous étions morts. Even though we pretend that we're not. Alors, même si que nous prétendons le contraire. If you took us at our word. Si tu nous prenais au mot. You would kill us. Tu nous aurais tués. We would be spewed out of your mouth. Nous aurons été vomis de ta bouche. But we thank you. Et nous te remercions. That you give us an opportunity. Que tu nous donnes une occasion. You reach out to us.
Tu essayes de nous atteindre. Through your prophetic word. À travers ta parole prophétique. That has the ability to give us life. Qui a la possibilité de nous accorder la vie. We thank you, Father. Nous te remercions, Père. That you look upon us as Eve. Que tu regardes à nous comme Ève. And that we can become bone of your bone. Afin que nous puissions devenir les os de tes os et la chair de ta chair. May that be a promise and a hope we can hold on to. Que ce soit une promesse, une espérance avec, sur lesquelles nous pouvons nous attendre. That we can partake. Que nous pouvons partager. Of the divine nature. La nature divine. And when the combination of humanity and divinity. Et dans la combinaison de l'humanité et de la divinité. Comes upon us. Quand cela arrive. We can have life. Nous pourrons avoir la vie. And be ready. Et être prêts. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.